Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Victoricat, on se retrouve sur Minecraft édition PlayStation 3 sur la série La Maison des Pièges épisode 3. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Mademoiselle Gameuse. Bonjour tout le monde. Eh bien, comment vas-tu? Oui, très bien, et toi? À la fin, vas-y. Donc là, je vais te libérer. Ah, merci. Donc je te prie d'aller vers la pyramide. Donc Mademoiselle Gameuse est une youtubeuse. Une jeune youtubeuse comme moi, donc par contre elle va pas filmer son point de vue, enfin c'est un petit inconvénient mais c'est pas très grave. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description bien sûr. Donc si tu peux regarder à ta droite et à ta gauche, tu as les registres des participants où c'est indiqué la mort en fait des joueurs. Donc il y aura ton nom à la fin de la vidéo. J'espère que tu feras mieux que la salle 1. Ouais, on verra bien. Hein. Ça changera un peu, ça c'est la découverte. Bon, là, c'est les autres salles. Voilà, ouais. C'est... il me semble que c'est 5, 6, 7... Voilà, 8. Donc, petit inconvénient supplémentaire. Pour sortir de la pyramide, tu vas devoir trouver un levier qui est caché dans un coffre. Bon, il est pas très très bien caché. Ça te permet en fait d'ouvrir la sortie de la pyramide. Donc, petit indice, comme tu es la troisième, donc tu seras la dernière à savoir. Le levier se trouve entre la salle 0 et 2. Donc en gros la une, c'est dans la salle une. Ouais, d'accord. Donc je te souhaite bonne chance et puis tu vas pouvoir y aller. Merci. On va essayer d'y aller à la YOLO. On est passé. On est vivant. Ouais, donc t'as perdu quand même pas mal de cœurs normalement. Deux ou trois. Ah d'accord, bon ça va, tu t'en sors bien, c'est un moins certain, ils ont bien douillé. Donc je crois que tu connais le système apparemment. Ouais, je voudrais quitter. C'est R3. Ils ont changé. Ouais, ils ont changé les touches. Ouais, avant c'était pas R3. Je trouvais que c'était mieux avant. Oh, je vois que t'as réussi à passer. T'es la première à avoir réussi sur les trois. Enfin, sur les deux premiers concurrents. Donc, quelle méthode tu vas utiliser pour passer? Ah! C'est normal qu'il y ait de la bouffe dedans. Oui, c'est comme on est en difficile, je l'ai pas dit, on perd très vite la nourriture. Hein. Enfin, j'ai mis le stock de nourriture exprès pour faire au moins toute la pyramide. Ça en fait un peu beaucoup d'accord. Parce que c'était au début, mais. Donc, t'as une idée comment tu vas t'y prendre? Je vais voir, hein. Déjà ma touche elle a bugué là. Ah ça serait con quand tu sautes. Elle bug aussi. Non. Eh bien t'es morte à la salle 1, comme Akimbi The Lord et Immortal, exactement au même endroit. Donc je te remercie Mademoiselle Gives pour ta participation. Merci de m'avoir invité. Qui a été très courte malheureusement. Ouais mais je suis pas tombé au premier truc, je me suis pas pris la lave la première fois. Voilà, les murs qui ressortent sur le côté, t'es la toute première à réussir à ne pas tomber. Je vais mettre ton nom tout de suite sur les tableaux. Bon les gens, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bye les gens.